Next. Crucifixion? No, freedom. Mm-hmm. What? Freedom for me. They said I hadn't done anything so I could go free and live on an island somewhere. Oh. Oh, well, that's jolly good. Well, off you go then. Nah, man, you're pulling your leg. It's crucifixion, really. Oh, I see. Very good, very good. Well, out of the door. Yeah, out of the way, out the door. La crucifixion de Brian. La vie de Brian, pardon. C'est tout de suite. Un moteur de cils, un freinage puissant, un caractère sportif, un comportement agile, une conduite souple, un train arrière nerveux, une banquette arrière monobloc, une silhouette gracieuse, un habitacle renforcé, une ligne fluide, une sécurité active, des rétroviseurs extérieurs et des coloris colorants. Autovision, nous l'avons testé pour vous. Ma maman, elle a un secret. Oh, c'est pour ça qu'on l'admire. Elle va en faire de l'or. Waouh! T'as vu? C'est devenu de l'or. Mais comment fais-tu? J'ai un petit secret. Nous, au canard! Avec Solo, vos fêtes seront belles. Après 18 mois de travaux, le Théâtre de Mons rouvre ses portes et vous offre un véritable festival. Le 8, Stephen Salters, premier lauréat 96 du Reine Elisabeth. Au piano, Daniel Blumenthal. Le 11, la vraie légende de Carmen par la fabuleuse Quadra de Séville. Le 9 et 12, enfin, Adamo et son nouveau spectacle. Alors faites comme nous, la fête au Théâtre de Mons. Pétillante comme les meilleurs champagnes, Everyone Says I Love You. La comédie musicale de Woody Allen est un délice absolu. Everyone Says I Love You de Woody Allen. La cassette vidéo contenant la version française et la version originale de cette comédie enchanteresse et débridée est en location dans tous les bons vidéoclubs. Madame Butterfly est une belle histoire d'amour-passion entre une jeune geisha et un fougueux capitaine américain. Lorsque ce dernier part pour un voyage au long cours, la belle l'attend désespérément. Reniée par tous, elle guette celui qui lui a pris son âme. Un film réalisé par Frédéric Mitterrand d'après un opéra de Giacomo Puccini. Madame Butterfly, c'est sur la 2, vendredi à 20h35.